m'appelle Dalia. J'ai commencé la boxe depuis mes 6 ans. Je boxe en catégorie minime, en moins de 42 kilos. Mathilde, j'ai 36 ans. Je commence ma 4e année de boxe thaïlandaise. Et je boxe en senior, moins de 60 kilos. J'ai commencé la boxe thaï parce que au début, il y avait mon frère, Dylan. Il voulait en faire. Du coup, moi, j'ai essayé avec lui et puis ça m'a plu. Du coup, j'ai continué. Tout me plaît. J'aime bien les gens, la mentalité et pratiquer aussi. Pour aller en compétition, d'abord, je me suis entraînée beaucoup. J'ai fait le Trophée de France. J'ai été deuxième. J'ai fait le Championnat de France où j'ai fini en quart de finale. Et après, j'ai fait la Coupe de France où j'ai gagné. C'est ma 4e année. J'ai commencé parce que mon conjoint pratiquait. Et à la fin de sa première année de pratique, moi, j'ai été faire un test au club. C'est au Akram Muay Thai, le club où on pratique à l'heure actuelle. Et j'ai été séduite. Donc l'année d'après, j'ai pris ma licence. J'ai au début eu aucune prétention autre que de m'amuser et de profiter de ce sport que je trouve très complet, dans lequel je me retrouve notamment au niveau des valeurs qu'il véhicule. C'est un sport individuel avec un fort esprit d'équipe, ce qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les valeurs de respect, d'humilité qui sont véhiculées. Et puis en fait, on m'a proposé de faire de l'assaut. Donc j'ai fait les championnats de ligue en assaut l'année dernière, que j'ai remporté. Je me suis qualifiée donc pour les championnats de France, que j'ai remporté également en assaut. Et puis après, j'ai fait la Coupe de France où j'ai été en moins de 65 kilos faute d'adversaire dans ma catégorie. J'ai également remporté la Coupe de France. Et la saison commence plutôt bien pour moi puisque le club a organisé un gala le 18 novembre dernier au Sable d'Olonne. Et j'ai pu combattre en combat plein contact et j'ai pu remporter mon combat. Je suis étonnée à chaque fois. En tout cas, je prends les choses comme une chance à 36 ans d'avoir l'occasion de côtoyer le monde de la compétition, notamment nationale. Voilà, je prends les choses les unes après les autres, bout par bout. Et puis voilà. La dernière fois quand j'ai gagné, c'était plus au corps à corps. J'aime bien ça et puis je suis plutôt bien. J'essaye de faire de mon mieux pendant que je le fais et puis je me sens bien. Puis je passe un bon moment. Je me dis soit je gagne, soit j'apprends et puis il n'y a pas de défaite. Ce que j'aime dans la compétition, c'est aussi la préparation mentale. Et pour l'instant, je pense que ça a été une force et que je me suis sentie prête et que je me suis correctement préparée, à l'aide de mes coachs, bien évidemment, et de ma coach Césaria. Voilà, je pense que j'ai des qualités physiques qui me permettent d'imposer ma boxe. Après, j'ai encore certaines techniques à retravailler et à améliorer. Je suis à au minimum 3 entraînements par semaine, voire 4, et des entraînements qui peuvent durer plus de 3 heures pour certains entraînements. Et en dehors des temps d'entraînement, je vais courir, je vais nager, je fais d'autres sports, notamment pour travailler le cardio. Le club, il est très bien. J'adore les personnes à l'intérieur et les professeurs, Césaria et Ben, ils sont très gentils. Je trouve les coachs, ils ont toutes les qualités pour du moins et puis ils sont. Je pense que c'est un club qui a un grand intérêt de par la richesse qui est implantée sur 3 communes différentes, donc ça permet de brasser des gens très très différents. Je pense que l'enseignement qui est prodigué est de qualité. C'est un club qui est très axé sur la tradition, on apprend les noms des techniques en thaïlandais. Voilà, c'est assez complet. On peut parler de préparation mentale, de préparation physique, de préparation technique. Donc pour une compétitrice, c'est très intéressant. Et puis c'est aussi un club qui m'a permis, qui m'a offert la possibilité de partir en formation pour devenir assistant coach. Donc merci au club pour ça. Voilà, il y a toujours des possibilités de perspectives. Dalia, je pense que c'est un vrai exemple pour chacun dans le club. De par l'énergie et le sérieux qu'elle peut mettre à l'entraînement,
Mais voilà, ses résultats, c'est les résultats du travail qu'elle fournit. Et elle est exemplaire à la fois sur les tatamis, mais également en dehors. Elle a toujours une bonne attitude respectueuse de ses camarades, des coachs, de tout le monde. Merci. Voilà. Elle est forte, enfin, je trouve. Elle est très bonne même. Elle se débrouille bien, de toute façon, comme d'habitude. Forcément du courage quand on veut rentrer en compétition, parce qu'en boxe on se cache pas, on n'est pas 20 sur un terrain, on est seul, donc il faut du courage, du fair play, du respect de l'adversaire, parce que les défaites peuvent être parfois difficiles à vivre, et beaucoup d'abnégation aussi. Franchement, c'est être fair play, être gentil, enfin de toute façon c'est la même chose, je veux dire. Aimer ce sport aussi, parce que si t'aimes pas, ben voilà quoi. Être concentré sur ce que tu fais, travailler dur, pour à la fin avoir de bons résultats, c'est bien. Si je devais donner un souvenir en rapport avec le club et qui n'est pas forcément lié avec la boxe, je dirais la fête de fin d'année de l'année dernière, où on a fait un pique-nique sur la plage, voilà, c'était très convivial, c'était un moment hyper sympa. Et en souvenir de boxe, je crois que la compétition l'emporte, notamment le gala. Voilà, on était à domicile, il y avait l'ambiance, il y avait tout le protocole, etc. Et ça a été un très beau moment. Des fois, il y a les stages aussi, je trouve, j'aime bien. On partage des moments avec les adhérents du club, il y a des amis dedans, et puis du coup, j'aime bien. Et avec les coachs, compétiteurs, c'est bien, tous ces moments.